Allez. Attends, j'allume le brose. Deux secondes. Parti. Tu me dis, hein? Vas-y, c'est bon. On va prendre là. Ouais. À gauche, à gauche, à gauche et à droite. Okay. Sur du coup un petit single. Taguée, je sais pas si tu vois cette maison taguée. C'est le départ du single, le télégraphe, tu sais qu'en deux parties. Ah ouais. C'est un peu plus loin, mais moi je le prends pas perso. Ah non, non, parce que là, ça commence à taper là. Ouais. Donc nous on va prendre un single, il faudra bien suivre les traces parce qu'à un endroit il y a un jump. Faut pas le prendre. Nous on évite le jump. On va prendre juste là. Là. On est tranquille.
important aussi. Ouais. Et l'arrivée de la mini DH de la Louisiane, elle passe par là et elle atterrit au single qui est là. Elle débouche là. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai dû passer là. On vient ou là, tu peux attraper Saint-Cyr en montant un peu et en te tirant à droite après. C'est ça. Ouais, d'accord. Bon, bah vas-y, dis-moi. Tu veux revenir par là ou remonter par là? Là, c'est raide. On peut aller même plus loin. On peut descendre jusqu'aux maisons, alors attends. Ouais. Et je vais te montrer un chemin sympa, tu vas voir. Ouais, un truc voilà. Allez, c'est parti. Non. On prend le DFCI alors. Regarde la vue sur la droite en même temps. On roule tout si tu veux, regarde la vue. Regarde la vue qu'on a là. Ça t'envoie à l'endroit où on dit que ça s'appelle l'ensemencement. C'est un chemin où il y a un champ justement. D'accord. Et après, l'étape d'après, c'est les plaines baronnes. Ah, ouais. Et là, il faut compter 7-8 minutes en roulant bon train pour arriver aux plaines baronnes en descente, hein, en roulant à fond. Hein. Donc, il y a un gros dénivelé là. Tu tiens jusqu'à l'autoroute quoi, pour faire ça. En deux étapes. Pas trop technique. On prend le DFC à mi-hauteur et on remonte. À droite, attends, on tire à droite et on va remonter après. Et ouais, on va voir la vue. Et hop là. Pardon. Hop là. Ce qu'on appelle la Louisiane. Donc en fait, je tire par là, je refais une boucle là et je monte par là pour monter à Grand Cru. Ouais. La ferme auberge de la baie des Anges. Ouais. Alors c'est, tu vois le tu vois les restants que tu décris. Ouais. Tu traces une ligne droite. Ouais. Jusqu'à la crête qui est en face où tu vois les bateaux derrière. Ok. Et ben c'est dans le versant, dans le tombant derrière. Côté. Ouais. Faut prendre la bosse où il y a les arbres qui sont poussé. Les plaines baronnes, c'est pas du tout des habitations. Les plaines baronnes, c'est comme ça, les plaines baronnes. C'est la traversée qui part d'en bas là, d'accord. Et qui rejoint en bas là. D'accord. On est au-dessus des plaines baronnes. On est en droite ligne au-dessus des plaines baronnes. Voilà. Dans la Louisiane. D'accord. Putain, mais je savais pas que c'était chargé comme ça en maison là, le coin. Bah ça poussait, ouais, ça poussait. Avant, il y avait rien du tout. Ça pas une ligne. Hein. Eh ouais. Parce qu'ils font du rasbois dans le secteur. Rien un peu là. Bon, c'est signalé, ils le savent les avions, mais. Ouais.
Et ça c'est quoi ces petits abris là? Ça date de... Je sais pas c'est si pour les bergers en cas de vent. Je sais pas à quoi ça servait. Bah, les bergers, il y a des fours à pain pas loin, fours à cadre, ça je sais, ouais. Un peu en dessous. Ça je sais pas à quoi ça leur servait, pour, ouais. Pour la chasse ou pour s'abriter, je sais pas. Bon bah c'est bon, moi de toute façon j'ai de la marge là. Hein. Ouais. J'ai j'ai encore plein de 40 bornes, j'ai 38 restants. Qu'est-ce que tu... On remonte un peu ou on continue comme tu veux? Bah moi, ouais, faut pas que ça aille trop loin. On va redescendre, on va remonter, encore, on va remonter. De toute façon, j'ai ouais. Qu'une barade de partie sur les 4 en batterie. Tu veux que je fasse, qu'on monte par là? Ouais, ouais. On va couper là, attends, ouais. Ça descend un peu, ouais. Sur 10 mètres, ouais. Et on prend en épingle ouais, à droite. Ça, puis on verra un peu le long le versant. Le allez, on fait ça. Et on remonte vers la direction chemin charré, ok? Attends, je fais demi-tour. Ouais, il y a de quoi faire le coin là. Hein. Ouais. Coup, c'est vaste hein, quand on regarde bien. Et ouais. Et tu vois là-bas, c'est tout ce que tu décris là, regarde là-bas. Ouais, ouais. Oui, bah c'est ça, c'est. Bon, on prend à droite. C'est un cirque. Voilà. À droite, ouais, à droite. Attention, regarde un peu les distances parce que c'est un peu accidenté là. Et on tire à droite après. On va retrouver le chemin donc tout éclairé tout à l'heure, le run final du berger là. On va le prendre en montée. On y est prêt. On va avoir une belle vue sur la gauche aussi, là tu vas voir pour 2 secondes. Ouais mais en montée ouais, tu pourrais être un peu plus relevé ouais. Ouais. Mais là je vais relever, je vais avoir une montée là. Ouais, c'est bon. Regarde. Tu vas, quoi. Ouais tu te perds facilement, ouais, si tu connais pas le coin. Même les livres ils se perdent donc. Voilà. Et t'arrives ici, je suppose, en voiture. Total ouais. C'est super. Non, c'est bien. Hein. Sympa. Bon bah alors on remonte. Alors. On remonte, c'est reparti pour c'est un reparti. Tour. Là il va y avoir un petit mur et après c'est un DFCI. Hein. Attends, je m'envoie, j'ai monté un peu la selle, je vais t'écouter. Il vaut mieux un peu la baisser. Baisser d'un tiers. Ouais. D'accord. Ouais. On entend mon moteur. Quand je faisais du musculaire, quand je passais par là, je souffrais. Hein. Et à l'époque, j'étais plus en forme, mais là, c'est dur. En partant chez toi, tu te prends déjà la gosse en partant. Ouais, ça calme. Hein. Après, c'est plus plat, mais...
arrivé à l'endroit, c'était la citerne, c'était là, tu sais où tu peux. Ouais, non, je fais pas ça. Elle a oublié. Ouais, mais une réception un peu hasardeuse peut-être, non ? Sur les gauches. Et encore, il y a eu du passage, ça s'est un peu damé, mais dans les temps anciens, c'était que des grosses pierres. Ah oui, ouais. Je suis pas d'accord sur la date, ce chemin tracé. Là. Ça doit dater de l'année 70, je pense. Je pense. Là, on prend à gauche, on rejoint la sortie du single qu'on a pris tout à l'heure, tu sais. Ouais. Mais ça, ça me passionne. Fais-toi plaisir si tu veux, vas-y, vas-y. Quartier, il n'y a pas de tout à l'égout. Ah oui. Les sangliers nichent par là souvent d'ailleurs l'hiver. L'été aussi. Hein. Pour se cacher, pour se planquer. Ouais. C'est un passage de sanglier les ballons comme ça. Non mais ça c'est bien. On va rattaquer une petite montée, on va arriver chercher ma charrette dans pas très longtemps. Bref, 3 bars. Et moi, ouais, moi j'avais que fait 5 km 600 là-bas. Ouais, on a une différence de poids, je pense. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Là aussi, on a une belle vue là. Ouais, ouais, je vois qu'il envoie la sauce quand il est dans les tours. Ouais. Ah ouais, d'accord. À droite, Benny, à droite. À droite, suis le chemin, suis le chemin. Ouais. On épingle à droite. Des fois, on se fait surprendre par le terrain. On est presque arrivé à chemin charré. Oh ouais, si t'es pas dans les tours, voilà. Tu ne renvoies pas la cadence. Il y a une petite épingle encore. Quatre coups de pierre. Prends tout droit en cas comme moi, regarde. Voilà. Ouais. Tu as vu un peu? Magnifique, hein? C'est une vue de rêve, ça. Ouais. Chemin charré, c'est l'arrivée, c'est là, là. C'est à